Podoj, gospodže, dobrý večer. Daná slovo, nismo, ništa, dobro. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax, le magazine des musiques et des cultures qui ne tiennent pas en place. Une balance, une à la Robert Val. Lorsqu'un côté est plus lourd que l'autre, la balance penche, c'est le principe. Ainsi, tant qu'il n'y a pas le même poids dans une assiette que dans l'autre, la balance penche. C'est sur ce principe qu'a voulu jouer Cucci-Pacci dans sa nouvelle œuvre The Infinity's Translation. Oui, oui, en effet, le poids. Cucci-Pacci a donc posé deux miroirs, l'un en face de l'autre, se reflétant à l'infini l'un dans l'autre. Vous savez, la notion de poids est une notion complètement subjective. Ainsi, pourquoi n'y aurait-il que le vulgaire caillou ou n'importe quoi d'autre qui serait en droit de faire balancer la balance? Mais que peut alors dire un miroir? Comme nous l'avons compris, il ne s'agit pas d'un poids physique, aussi quelconque soit-il. La question est plus profonde, plus intense. Peut-être est-ce une lourdeur mentale, physique, psychique, intellectuel, un mal de tête d'un miroir, d'un reflet. Oui, il est vrai. Quoi? La peur? L'amour? L'ennui? La jalousie? La jalousie, de quoi? D'un semblable à lui-même, comme toujours, qui a les capacités de le remplacer sans pour autant qu'il en soit capable, telle une carafe faisant déborder un yaourt. Qu'est-ce qu'un miroir pourrait envier à un autre? Sa monture? Son reflet? Mais quel reflet? Celui qui pourrait être celui de son propriétaire? De son molar qu'il avait craché par terre 2 mois auparavant lors d'une grippe? Le chewing-gum qu'il avait collé en vitesse 2 minutes avant son premier regard? Ou le léger effet sépia que le soleil lui avait donné avec le temps? Non, le miroir essaie peut-être de gagner la place de l'autre, de le disqualifier, de l'envoyer promener. Peut-être qu'il veut faire comprendre à son adversaire qu'il n'a pas à traîner par ici, qu'il n'est qu'un copieur, une copie. Il lui fait comprendre. Dans son centre, le miroir a ainsi un symbole, le symbole, celui qui va faire entendre à l'autre qu'il n'est pas ce qu'il est, qu'il n'est qu'une vulgaire copie. Mais un miroir reflète. Alors, ce qui lui parvient a sans doute été déjà réfléchi 1 million de fois. Mais comment? Eh bien, par sa copie. Son miroir opposé qui lui tire les cheveux comme un écran tactile. Il vient, puis revient, puis repart pour se faire re-réfléchir dans le miroir d'en face. Les deux miroirs se reflètent à l'infini, l'un dans l'autre. On ne distingue plus le modèle de sa copie. Le miroir perd alors tous ses moyens. Il en pisse dans son fut comme un éléphant dans des collants rouges. L'autre, au contraire, gobe comme une mouche ce message et se met à transpirer comme une bête. Leur préoccupation devient complètement différente. Ils redeviennent ainsi différents. Leur peur de l'autre les obsède, tout comme leur poids. Leur lourdeur n'est plus égale. Il en va ainsi. La balance bascule. Les deux miroirs ne sont alors plus en face l'un de l'autre. Leur reflet de même. Le symbole par la même occasion. La tension s'évapore, les miroirs se réhydratent, la vie reprend son chemin, les miroirs se remettent en place. Leur lourdeur n'est plus égale. Il en va ainsi, la balance bascule. Les deux miroirs ne sont alors plus en face l'un de l'autre. Leur reflet de même. Le symbole par la même occasion. La tension s'évapore. Les miroirs se réhydratent. La vie reprend son chemin. Les miroirs se remettent en place.
always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.